Les enfants! Ah, mes genoux! Mes enfants chéris! Grand-mère, racontez-nous une bonne histoire! Bien, mes choux! Je vais raconter l'histoire du poète Saint John Perse. Va toi, toi de l'air enfant Perse. Maintenant, votre histoire. Saint John Perse, il est né au Guadeloupe. Mais Hégésippe Légitimus, le premier Guadeloupien président élu de Guadeloupe, a exigé le départ de tous les colons, y compris Saint John Perse. Il est allé en France. Il s'occupe de faire des activités. La randonnée. L'escrime. L'équitation. La voilà. Le jardinage. Et la chasse à l'écrouille. Ici, il grandit. Il a écrit beaucoup de livres de poésie. 16. Où était-il au voyage quand il en diplomate. L'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Chine. Oh non! Les nazis bannissent Saint John Perse. Ne le prononce pas de vos enfants. Je déteste les nazis. Ils sont pires que tout. Où puis-je aller? Il est allé aux États-Unis. Le professeur du Harvard est approché de Saint John Perse. Saint John Perse, voulez-vous enseigner les jeunes esprits à l'université du Harvard? Non! J'écris ma poésie. Maman, j'ai gagné du prix Nobel de la littérature.